ça, les choses plus simples selon Xander. On se retrouve en haut. Thank you.
Est-ce bien toi, Nak ? Tu es exceptionnel ! Je n'aurais pas cru que tu parviendrais à monter à bord. Admire l'énergie quasiment infinie de l'artefact. Une énergie capable de détruire toutes les villes et tous les villages de la planète. Capable de faire revivre l'époque de Marius, où la puissance faisait loi. Je vais purifier ces terres par le feu! Bien sûr. Comment on va faire pour arrêter cette chose ? Aucune idée. Il y a une porte par là. Mais elle est fermée. Et si on allait jusqu'au pont et qu'on lui reprenait l'artefact ? Ça va être difficile de l'éliminer. Mmh.
J'espère que c'est par là. Du monstre. Bonne chance, Ava. Je savais qu'il y avait des moines sympas. Vient de s'arrêter. Qu'est-ce que t'en dis, Lucas ? Il y a un problème. Il faut qu'on l'arrête. J'ai peut-être une idée, mais elle est risquée. L'avion! Nak, rapproche-toi de Xander et de l'artefact.
avoir confiance. Comme d'habitude. Il a recommencé à bouger. Ça te plaît, Nark? Ce n'est pas grand-chose. Un aperçu de la suite des événements. Chaque tir détruit une autre portion de la ville. De ta ville. Chaque instant nous rapproche de la destruction de tout ce qui t'est cher. Un timing parfait, Nak. Tu vois, tu vas pouvoir assister à la destruction de tout ce qui t'est cher. Je suis sûr que ça va te plaire. Katrina, pour toi et moi, je suis désolé. C'est pas trop tôt. Je le suis aussi. Lucas, non. Qu'est-ce que tu fais? Il ne fait que retarder l'inévitable. Tirez quand vous voulez. Non! Pourvu que ça marche. C'est fini pour ton cher compagnon. Lucas a construit son avion avec des pièces de robots. Des pièces qui se renforcent et se transforment quand le rayon de l'artefact les touche. À chaque fois que tu tires, tu le rends plus fort. C'est fini, Xander. Ah!
Nak. Je le savais. C'est toi que j'aurais dû détruire en premier. Peut-être qu'il faut quelque chose comme toi pour te vaincre, Nak. Come on.
Bravo, les garçons. Et en tant que présidente de l'Oasis, je suis heureuse de signer cet accord avec les moines. Ava ? Je suis désolée. C'est moi qui devrais m'excuser. Tu l'as fait. Plusieurs fois. Mais moi, je... J'ai fait tellement d'erreurs et je veux... Ava ! Quelqu'un m'a dit un jour qu'on faisait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment on les répare. Eh bien, cette personne est extrêmement sage. Merci beaucoup. Tu t'en sors pas trop mal non plus. Ah, Lucas, mon neveu préféré, qui a volé et détruit mon avion et qui m'en doit une belle. Tu trouves pas que Katrina devrait me donner une deuxième chance? Oh, non, je veux pas être mêlée à ça. Trop tard. Comment vas-tu, Ava? J'ai suivi la voie tracée par Xander pendant si longtemps que je suis un peu perdue. Je sais ce que tu ressens. Je les aime, bien sûr. Mais parfois, je voudrais savoir s'il existe une autre créature vraiment comme moi. Peut-être qu'il est temps pour toi de partir le découvrir. Ça peut se faire. L'avion est prêt. Alors c'est parti. Ne t'en fais pas, Ava. Tu trouveras ta voie. Je sais. Et toi aussi. À bientôt. Oui. Où ils vont, à votre avis? Les connaissant, impossible de dire. Ça, c'est clair. Prêt? Allons voir ce que le monde nous réserve. Et c'est comme ça que Nak et moi avons sauvé le monde. Encore une fois. Et après avoir failli le détruire. Quant à la suite, on verra. Nak est toujours là pour moi. Alors s'il a besoin d'aide pour se découvrir lui-même, je serai là. Parce que Nak, c'est ma famille.